Le deuxième point, et ça vient effectivement en complément de ce qu'on a dit sur le business plan qui était un peu rigide, on va plutôt travailler sur le business model. D'accord ? Donc le business model, on va voir, on va s'appuyer sur le business model Canva de Osterweider. Le business model, c'est de voir comment vous, en fonction de produits, de votre valeur ajoutée que vous allez avoir, hein, comment vous allez construire votre modèle pour faire en sorte que l'argent qu'il y a dans la poche de votre client passe dans votre poche, d'accord, et que cela assure une viabilité économique de votre structure. Donc, comme je vous l'ai dit, en fait, avant de penser à quelque chose, avant de vouloir se lancer pour créer sa start-up, quand on a une idée, la première chose à faire, c'est d'essayer de penser à un business model. C'est essayer de dire quelle est cette idée, quel est le client, quelle est la valeur ajoutée, quel est le client, comment je vais atteindre mon client, comment je vais avoir des relations avec mon client, comment je vais générer des revenus, hein, quelles vont être les personnes dont j'ai besoin et dont il va falloir que je crée l'équipe, quelles vont être mes activités clés, quels vont être en fait les partenariats que je vais avoir et quels vont être les coûts qui vont être là-dessus. Donc le business model décrit en fait la manière dont votre organisation va être structurée en fait pour créer de la valeur, pour délivrer sa valeur et pour capturer cette valeur. Parce que en fait, le problème d'une start-up, c'est pas d'avoir une idée avec de la valeur. Vous avez plein de personnes qui ont des bonnes idées et qui peuvent créer des produits avec de la valeur. C'est de faire en sorte que ce produit non pas soit acheté. Il faut que les gens achètent cette valeur. C'est-à-dire que tout le point, une fois que vous avez créé votre valeur, une fois que vous avez créé votre organisation, il va falloir que les gens soient en mesure ou aient envie d'acheter votre valeur. Et c'est ça qui est important. Donc en fait, sur ce modèle d'affaires, en fait, hein, on va avoir 9 blocs différents. J'ai commencé à en parler et on va les voir.